Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West, évidemment. Toujours accompagné d'Aloy. Et on devait aller remettre Ether, évidemment, l'intelligence artificielle qu'on avait réussi à récupérer. Sachant que juste après, ce n'est pas Déméter, je m'étais trompé, c'est Poséidon. On doit aller récupérer, du moins essayer de récupérer. Je suppose qu'on va croiser un autre village qui va nous demander, évidemment, de l'aider. Je ne sais pas du tout par où passer. Ça, c'est assez terrible. Je ne sais pas par où passer pour atteindre Gaïa. Souvenez-vous, on est de retour dans la zone montagneuse où on avait le Bonkers. C'était là, tout simplement. Ok, my bad, j'allais faire tout le tour, je sais même pas où ça allait m'emmener cette connerie. Donc direction Gaïa, on va lui remettre tout ça et peut-être qu'elle aura encore d'autres choses à nous donner, d'autres infos, d'autres petits trucs très très cool. Alors, on est reparti, la base. La base est ici, ok, let's go. Comme ça? Oh, t'es pas en train de frapper au marteau, Erend? Vas-y, gentiment. Tu vois, mes grosses paluches sont pas vraiment précises. Recommence. Trace la ligne. Vers la droite. L'autre droite. Je viens de le voir. Aloy l'a trouvé au nord, celui-là. Je l'ai. Ça s'appelle un concrète pitch party, un truc du genre. Ah ouais, sacrée musique. Aloy ! Erend, t'as l'air en forme ? Et tu es là ? Le monde courrait à sa perte si t'étais pas là. Si on apprend assez, on pourra sûrement t'aider. Et tu as besoin de toute l'aide possible. On doit encore beaucoup s'entraîner, bien sûr. Non, on ne devient pas chasseur en un jour. Chaque graine germe à son propre rythme, mais finit par fleurir. Je t'informe que ton ami Tenak est là. Kotalo. On raconte que leurs guerriers boivent du sang. Vaut mieux dormir que d'un œil. Je crois qu'il a vu assez de sang pour toute une vie. Je lui ai montré l'une des salles. Il aime bien avoir son intimité. On dirait que vous contrôlez la situation. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien. On va continuer et apprendre aussi vite que possible. Je vois déjà des glyphes dans mes rêves. Eh bien, pendant que vous vous promeniez un peu partout, j'ai cherché des informations sur les dieux de la Terre avec Gaïa. Et d'ailleurs, je pensais qu'on devrait s'entraîner ensemble. Par ici. D'accord. Oh, et j'ai transmis ton message à Talana. Elle est partie pour ce camp Oseram, celui que vous recherchiez, vers le sud-ouest. Ok, merci mon ref. On va remettre ça quand même à Gaïa, priorité numéro 1, s'il vous plaît. Elle est juste derrière cette porte. Voilà, elle nous attend debout. Elle a pas bougé. Bienvenue, Aloy. Depuis 8 heures. Quand tu seras prête, tu devras me fusionner avec Ether. Allez! Ensuite, il faudra que je te parle de quelque chose d'important. Ah! Alors, de quoi tu voulais parler? Durant ton absence, j'ai reçu une transmission inhabituelle sur ma fréquence Illiti dédiée. Illiti, c'est l'une des sous-fonctions que tu ne détectais pas avant. Oui. La transmission était si faible que j'ai d'abord cru à un regroupement de données accidentelles perdues au milieu des ondes. Une fois cette irrégularité repérée, il m'a fallu du temps pour collecter l'ensemble du message. Où est-ce qu'elle mène? À une montagne au nord-ouest de ce complexe. Je dois t'avertir, Aloy. Il se peut que cette transmission soit authentique. Il est aussi possible que quelqu'un ou quelque chose d'autre
en soit à l'origine. Tu ne penses pas qu'il s'agisse d'Illity? Je n'en suis pas sûre. C'est quoi, SOS? C'est un code de l'ancien monde. Un signal de détresse. Un appel à l'aide désespéré. Mais pourquoi Illity enverrait une transmission codée sur une fréquence que vous deux êtes les seuls à utiliser? Je pense qu'il s'agit d'une précaution pour éviter d'être détecté. Ou, du moins, pour donner l'impression qu'il s'agit de l'effet recherché. Je me demande également pourquoi Illity s'attend à ce que je sois capable de détecter et de répondre à son signal de détresse. Elle est censée penser que je suis hors service. D'accord, alors... soit Illity a des ennuis et t'a contacté en espérant que tu sois là. Soit quelqu'un d'autre veut nous attirer vers ses coordonnées en se faisant passer pour Illity. J'arrive à la même conclusion. Cette transmission peut-elle venir des Zéniths? Si j'en crois les données que j'ai trouvées sur ton focus, les Zéniths ont récupéré l'autre noyau source de Gaïa dans le laboratoire d'Hadès. Il est donc envisageable qu'il l'ait utilisé pour accéder à mes fréquences internes. Alors, ils l'ont peut-être envoyé pour te pousser à répondre et révéler ta position. C'est possible. Mais la transmission est assez irrégulière. S'ils voulaient me provoquer pour que je finisse par me trahir, je me serais attendu à une communication classique. Ouais. Dans ce cas, c'est peut-être pas eux. Tu dis que les coordonnées conduisent à une montagne au nord-ouest? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Selon mes archives, il n'y a rien d'important dans cette zone. D'accord. Et au sujet de l'autre nombre du message, 237, tu sais ce que ça veut dire? J'ai consulté toutes mes bases de données disponibles, mais ce nombre ne correspond pas à quoi que ce soit. Peut-être n'a-t-il d'importance que si l'on se trouve au niveau des coordonnées indiquées. Ouais... Très bien. Je vais à ses coordonnées et je vérifie d'où vient la transmission. Toute seule, tu veux dire? Pas question. J'ai inclus Eren Deval dans cette conversation via leur focus. Et je suis également d'avis que tu ne devrais pas y aller seule. Et si c'était un piège? Bien sûr que ça peut être un piège. Mais si c'est vraiment Illity, c'est qu'elle a des ennuis. Donc il faut que je la ramène. Vous en faites pas. Je serai prudente et... On vient avec toi. Bon. Allez vous préparer. On t'attendra à la sortie ouest, si tu veux un moment pour t'équiper. Ok. Le Kulruth, évidemment, quête principale. Let's go. Évidemment, on va la faire. On avait dit qu'on allait focus un petit peu. Oh, on a du point à dépenser à Gugao. Merci. Alors, attendez. Attendez, parce que niveau point de compétence, en vrai, on est très, très bien. Survivant, qu'est-ce qu'on a? Gantelet, très bien. Fronde explosive... les baies, soigne davantage et plus vite. Mais attendez, mais pourquoi on m'a pas parlé de cette chose de bonheur avant? Les potions donnent plus de santé, toutes les potions se boivent plus vite. Mais attendez, pourquoi on va parler de ça avant? Les attaques infligent plus de dégâts lorsque vos blessures sont graves. Ok, j'ai pris. Varl! La voilà. Tu es prête à y aller? Bien sûr. Allons-y. Ça va être la classe. Les trois durs à cuire qui s'associent et partent à l'aventure ensemble. Ça va être sympa. Fallait que cet appel de détresse... reviennent d'une montagne aussi abrupte, évidemment. Ah.
toi, Stark. Allez, chef. Sacré nom d'infus. Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Inspectons le champ de bataille. Commençons par cette zénith. Nous avons des rêves. C'est évident, il y a bien plus de zénith qu'on le pensait. J'arrive pas à croire que t'en aies affronté un. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Alors, oubliez pas que... Ok, donc ça, je pense que ça va être utile. Oubliez pas que les zéniths, c'est le peuple qui a réussi au tout début du jeu. Il l'avait expliqué. C'est le peuple de l'ancien monde, donc des humains comme nous, qui a réussi à s'échapper à bord d'un vaisseau, évidemment. Et là, ils ont réussi à en mettre KO1. Ça, c'est beau. Eux, ils ont augmenté leur technologie et sont revenus sur Terre. Et leur but, c'est de réunir les intelligences artificielles, réinitialiser encore la planète Terre pour que eux se réinstallent là où ils étaient à la base. Allez. Quoi qu'aient fait les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici? Je peux accéder à sa dernière communication, mais je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la Zénith avait? Qu'est-ce qu'il y a? On m'avait dit qu'elle pouvait la faire apparaître. Tu as quelque chose pour moi? Mais il n'y a plus rien maintenant. J'ai regardé partout, il n'y a aucune trace de la cible. Bon, je te laisse regarder. On ne peut pas abandonner ces recherches stériles. N'oublions pas qu'il a laissé s'échapper au départ. Il me faut des résultats avant la tombée de la nuit. Tu penses en être capable? Attends, je crois que je vois quelque chose. Ok. Ce spectre était chargé de... d'aider à retrouver la cible. Le souffle de la force. Je me demande de quoi il s'agit. Bah c'est nous, je pense, Aloy. C'est nous. Instruction du spectre. Aider à retrouver sa cible. Continuer la surveillance. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un ravageur, mais il s'est fait ravager. Détachable. Attendez, j'ai peut-être une idée. Voilà. Crois-moi, mon ref, que sur un malentendu, sait-on jamais. Ok. Qu'est-ce qui branle le Var là-haut, là? Il est tout seul, Bibiche. Il m'inquiète. On dirait qu'il me surveille de loin, tu vois. Ok. Varl? Ah! Fouille les environs. Je reste ici. Ça m'a l'air... Ah, impossible d'entrer. Ok, très bien. Examiner le champ de bataille. Ah, mais là, je... À part son cadavre... Oh putain, si, j'ai vu, c'est bon. Merci le lapin. Merci mon pote le lapin. Et... Oui, c'est vrai que ça a brûlé l'arme. Why? Pourquoi? L'arme est encore chaude. Je dois savoir comment elle marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. Un Oseram avec un focus? On dirait qu'il envoyait des données sur l'arme quelque part. Oh. Ok, intéressant. On dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone? Mais tout le monde a reçu ce SOS ou quoi? Je crois que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. Ok. Il va y avoir encore embrouille, hein. Il y a beaucoup trop d'armes disponibles, c'est très bizarre. Oseram, Zénith et une machine vide.
Alors, celle qui voit l'invisible, qu'est-ce que t'as trouvé ? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la Zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les Zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'Océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible, c'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Illity. Pas sûr. Bien, allons retrouver Varl. Ok, coordonnées du SOS qui mène à un creuset, je suppose. Très intéressant, allons voir. Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La Zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelé... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Erend, reste ici et monte la garde. La Zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le Focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Ok... Direction l'enfer, coordonnées du SOS, examiner le site. Il y a une sorte de ruine de l'ancien monde ici. Tu as bien dit que les Zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui, elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Illity, ils l'auraient trouvée et elle aurait envoyé le signal de détresse. Peut-être. Alors, je me suis pas fait spoil. Néanmoins, j'ai discuté avec Fufu après un record de Daylight 2 et il m'a dit que Poséidon, c'était exceptionnel ce qu'on allait vivre pour récupérer Poséidon. Du site depuis cette console. Oh, je vous laisse lire, évidemment. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va nous attendre, sachant qu'ici, il y a une autre porte. Quoi ? What the fuck ? Ok. J'ai jamais vu ce type de transmetteur. On dirait qu'il s'est autodétruit. C'était un labo de recherche de Zénith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Illity est parti ? Oui, et on se retrouve à explorer une autre ruine de Zénith lointain. Au moins, il devrait pas y avoir de machine tueuse géante ici. Ok. Tout le truc que tu peux faire exploser. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ok. Très bien. Alors là, le problème, c'est que. On doit fouiller par ici, mais ça a l'air grand, non ? Ça a l'air très très grand même. Ok. Très bien, je vous laisse lire évidemment de Song Jiao. Hop. Oh là 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 là, tout ce qu'il va y avoir à lire pour vous, ça va être exceptionnel. Je me demande ce qu'il faisait ici. Eh bien, est-ce que tu as trouvé un truc qui nous... Allez, je vous laisse lire le 19 août 2064. Où est la cible ? Probablement des... Je ne crois pas, non. Alors les gars, si tout le monde parle en même temps, on est dans la sauce. Ok, Varl toujours, hein, ça bouge pas. Là, qu'est-ce qu'on a là ?
Très bien. Vache, a l'air grand. J'ai peur de... qu'on ait fait 10 milliards de fois la même chose. Voilà, ça en prend. Un carillon antique, anneau antique, mes couilles antiques. Cet endroit est immense. C'est peut-être un lieu de stockage. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les Zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. Jetons un œil. Effectivement, c'est très, Alors, comment Erend prend tout ça? Vraiment. Eh bien, Gaïa, les Zéniths, le Focus, ça fait beaucoup. Mais quand je l'ai rejoint dans les couloirs pour lui dire que t'avais besoin d'aide, il a tout laissé en plan et il est venu. Il est loyal. Oh la vache, c'est trop, frère. Comment ça se fait que c'est aussi grand? Ils font quoi là-dedans, des Metal Gears? Une console de contrôle, pour accéder aux unités de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là? Ah, on va le savoir. Ok. Je veux quand même rentrer là-dedans au cas où avant. Mais y'a rien. Y'a rien, j'espère que ça vous a plu. Allez, ça dégage. On va peut-être récupérer ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Un hangar? Ça fabriquait quoi là-dedans, là? Oh! Des mécas! 236 conteneurs en stock. Veuillez entrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir. 236. Il n'y avait pas un nombre dans le signal de détresse? Si. Je devrais consulter mon journal. Je me souviens plus. Bien joué, les gars. Je me souviens plus. C'est dans quoi? C'est dans carnet. C'est dans... point de données, nouveau foyer. Pop, journal audio. Attendez. Oh non, c'est trop. Je vais pas pouvoir tout faire, les gars. Ok, ça doit être lui par logique, non? Non. Non plus. Non plus. 237. Waouh. Ça, c'est vicieux ce qu'ils ont fait. C'est très malin. 236 conteneurs en stock. On dirait des cubes où on met des humains quand même, hein. Ah! Oh! Aloy. C'est toi? Elisabeth? Sa peau est glacée. Elle a dû retirer ça de sa tête. Mais pourquoi? Bonjour, Elisabeth. Désolée, je ne sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Beta. Je vais devoir être brève. Je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Et je dois encore retirer cet implant. J'espérais trouver refuge près de toi, mais... si tu vois ceci, je suis peut-être morte. Fais très attention. En affrontant Zénith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant, ils ont Illiti, Artemis et Apollon. Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Il faut que tu réussisses, ou tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors elle...
Elle est encore en vie. Il faut qu'on la ramène. Merde, ils peuvent voler ? Aloy ? Aloy, est-ce que tu m'entends, Dodd ? Qu'est-ce qui se passe, Eren ? Toutes ces machines spectres sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Bien sûr. Mets-la à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Je la protégerai. Je dois me préparer avant que le spectre n'arrive. Je ne peux pas le laisser atteindre Varl et la clone. Ok, c'est pas mal, c'est une belle... belle entrée en matière, tu me régales. Ok. Ce truc est rapide. Ouais. Faiblesse, ok, poison, très bien. Très bien. Ça va être long, ça va être très très long, je vous le dis. Ok, très bien. Ah, et ma combo comme Jaja. Bon, c'est le poison le problème. Son truc qui tournoie, j'ose même pas mettre le bouclier, je pense que c'est totalement inutile. Ok, on va passer. Je dois me préparer avant que le spectre n'arrive. Je ne peux pas le laisser atteindre Varl et la clone. Hop, ça tu prends Bibi, c'est Bibi qui régale. Voilà. Très bien. Très bien. Et... je sais que j'ai placé le piège derrière. Bien joué ça. Ça c'est moins bien joué parce que tu m'en as mis plein la gueule. Ok, bien wesh. Ok. Allez. On peut le faire tous ensemble avec Emmanuel, check ça. Ok.
On va y arriver, plus de peur que de mal. Oh, attendez, c'est pas fini, j'ai peut-être parlé trop vite. Ouais, j'ai peut-être parlé trop vite, s'il te plaît. Non, qu'est-ce qui se passe, wesh? Ok. Oh là là, putain, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ok. Attends. Oh. Ok, c'est presque fini. Mort. Mort. Oh là là. On a chaud, on a chaud, on a chaud, voilà. Mais c'est fait. Est-ce que ça va, l'œil? Bien sûr, ça oui. va, easy. Je vais remonter. Reste ici avec la clone pour l'instant. D'accord. Je te suivrai quand la...